Dans ce nouveau numéro de votre émission, invité à la une, comment comprendre cette agitation observée dans la classe politique alors que le processus électoral venait d'être enclenché? Et à côté, il y a également le découpage territorial qui a pris sa vitesse de croisière sur ce plateau. Pour en parler, je reçois Papi Tamba, il est membre du PPRD, un parti de la majorité présidentielle. Bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Claude. Alors, que doit-on comprendre lorsque, dans l'opinion, on dit que par cette réforme, notamment les découpages territoriaux, et également le processus électoral déjà enclenché, que le pays se dirigeait droit dans le mur? Malheureusement, monsieur Claude, il y a une frange de l'opposition qui nous a habitués dans ce pays à s'agiter avant terme, c'est-à-dire à s'agiter avant que nous puissions arriver à un processus où des choses devraient se faire. Et quand nous entamons ces processus, avant même que les choses se fassent, à faire volte-face, mais pendant qu'on doit faire les choses, c'est carrément se contredire. Ces trois schémas qu'ils sont habitués à nous présenter depuis 2006. Ce qui est gênant dans tout cela, c'est qu'on veut prendre les peuples congolais comme des moutons. On pense que le peuple congolais est stupide et naïf et qu'il peut gober n'importe quel discours. Chercher à nous parler du découpage territorial comme étant un frein au processus électoral, c'est manquer de respect à nos intelligences. Et on dit que le pays n'a pas les moyens d'engager notamment cette réforme. Vous savez, il faut savoir une chose, c'est que le régionalisme constitutionnel, comme c'est le cas pour nous, dans une décentralisation qui est un peu dans une position médiane avec le fédéralisme, ce régionalisme constitutionnel c'est toujours un long processus à être mis en place. On n'attend pas de combler d'abord tout ce qu'il faut combler avant de dire que nous sommes en plein dedans. L'Italie, qui est une référence à la matière, l'a engagé vers les années 50. Ces processus, et aujourd'hui, ils sont encore presque vers la fin, mais ils sont pas totalement vers la fin. Parce qu'on ne va pas dire qu'avant d'installer une province, il faudrait d'abord que les pouvoirs centraux commencent par construire les infrastructures pour abriter la province, pour abriter les institutions provinciales. Il faudrait d'abord qu'on puisse avoir tel moyen pour faire ceci. Il faudrait d'abord qu'on fasse ceci, qu'on fasse cela. Présenter les choses de cette manière, c'est pour dire qu'il nous faudra au moins 50 ans pour essayer d'accomplir cette volonté du pouvoir constituant originel, c'est-à-dire du peuple congolais qui voulait que nous puissions parler des 26 provinces. En revanche, la lucidité intellectuelle nous permet de comprendre que les choses, une fois engagées, ça voudrait tout simplement dire que le processus aussi sera engagé pour qu'au fil des temps, au plus nous avançons, plus aussi, on essaye de trouver des mécanismes et des moyens pour accomplir tout ce que les gens pouvaient attendre. C'est comme ça qu'on essaye de passer d'un point A vers le point B lorsqu'on parle de ce genre de processus, comme c'est le cas pour notre pays. Alors, ce qui donne à craindre, c'est notamment cette volonté de vouloir coupler ces deux opérations, alors qu'il y a d'abord un processus électoral assez long, il y a à côté le découpage territorial qui est aussi complexe. Donc vous savez, présenter aussi les choses de cette manière relèverait d'un gros mensonge qui viendrait tout droit de l'enfer. Oui. La CENI, dans notre pays, parce est une institution... Parce que par là, on soupçonne de vouloir créer un désordre. La CENI était une institution d'appui à la démocratie, mais indépendante. La CENI ne pourra pas, lorsque la CENI trouve déjà l'arsenal juridique nécessaire, ne pourra pas dire que nous allons mettre en place notre calendrier en fonction de ce que le pouvoir exécutif fait. Ça, s'il n'y a plus d'indépendance. Comme aussi nous allons mettre en place un processus en fonction des injonctions que nous recevons. Ça, c'est encore... On parlerait plus d'indépendance dans ce cas de figure. Je pense que la CENI n'a pas à entrer en matière par rapport à tout cela. La CENI a présenté des contraintes. Il y a des contraintes d'ordre budgétaire. Il y a des contraintes d'ordre législatif, mais aussi d'ordre organisationnel à l'état pur.
Je pense qu'on traîne ce numéro de 22 et ou 23. La CEI n'a pas à interférer à cela. Il appartient au pouvoir central et je pense il appartient au gouvernement de la République, peut-être aussi au Parlement, dans certaines matières, d'essayer de répondre à ces différentes contraintes. À ce jour, moi, nous sommes en train d'enregistrer cette émission. Je ne pense pas qu'on pourra dire que les contraintes telles que présentées par la CENI ne sont pas prises en compte et que ces contraintes ne sont pas en train d'être balayées. Mais il ne faudrait pas qu'on prenne les Congolais pour des moutons parce que on a des prétextes fallacieux pour fuir des élections. C'est quand même de bon droit lorsque une frange de l'opposition demande quand même des explications, des assurances de la part de la CENI. Vous savez, l'opposition fait un communiqué le 21. Oui. Le 21, c'est 6 jours après l'enclenchement du processus des dépôts de candidatures pour les provinciales. Oui. Avant le 21, tous les mois de mars, ils ont été faire une sorte de randonnée en Europe où ils devraient assister à des dîners, ces dîners de prière pour peut-être prendre un peu plus de poids. Aujourd'hui, 6 jours après l'enclenchement, alors que nous passions ici à la télé, nous disions à ses amis d'opposition qu'une élection se prépare. Se prépare non pas seulement au niveau matériel, mais aussi au niveau du choix des candidats par rapport aux différentes circonscriptions électorales que nous pourrions avoir. Tout indique que ce travail n'a pas été fait. Donc ça montre aussi qu'ils n'ont pas cru à ces élections. Ils sont plus dans les gesticulations, je pense l'avoir dit au début, et maintenant la réalité les rattrapant, ils sont maintenant dans la dénégation de ce que ils ont eux-mêmes peut-être déclaré aussi. Et ça, ça devient un peu hallucinant de suivre ce genre de choses. Alors, mais il faut reconnaître quand même que lorsque il y a des réticences au sein de l'opposition, c'est déjà un bémol qui peut affecter tout le processus. Écoutez, j'ai pour mémoire, il y a une phrase qui restera gravée dans ma mémoire, oui, dans la mémoire de tout Congolais, le 30 juin 2005, à minuit, tout s'arrête. Cette phrase est de quelqu'un, un grand leader politique. Cela a été suivi des faits, parce que ce leader politique a boycotté lui et son parti. Ils ont boycotté le vote de la Constitution. Ils se réclament de cette même Constitution aujourd'hui. Ils ont boycotté en 2006 l'élection présidentielle et les élections qui ont suivi en 2007. Mais puisque la République est très solide par rapport aux certaines caprices qu'on peut voir de certains opposants, ils ont rejoint la République en 2011. Je pense que nous devons aujourd'hui considérer que ces amis de l'opposition, qui, il faut regarder les raisons qu'ils donnent pour boycotter les processus électoraux, ils pensent tout simplement par une prétention machiavélique qu'ils peuvent être plus forts que la République. La République démocratique du Congo avance et la République démocratique du Congo met en place un processus. Et ce processus demande l'adhésion de tous ses fils et de toutes ses filles. C'est là qui voudraient s'exclure, ils te mettent du mauvais côté de l'histoire, mais ils ne peuvent pas combattre la République, puisque la République restera toujours très solide. Alors moi, je vais lancer l'appel à ces amis d'opposition pour leur dire que je pense qu'il est temps de revenir au meilleur sentiment. Parce que nous irons aux élections, les élections seront organisées. On ne va pas dire que ça devient la prétention de l'orgueil lorsqu'on dit aux gens que nous irons aux élections. Donc ils comprennent tout simplement que la finalité de tout homme politique qui se veut responsable et qui comprend les enjeux démocratiques, ce sont les élections. Alors, est-ce qu'il n'y a pas possibilité, notamment par l'influence de la majorité, de trouver au moins une sorte de consensus pour que cette fois, il y ait des élections apaisées? Mais vous savez, le consensus pour trouver faire des élections apaisées, ces consensus devraient se baser même sur un cadre permanent, avant, pendant et après. Mais ce n'est pas une raison pour s'exclure d'un processus enragé pour lequel peut-être on a soit même aussi été un des pourfendeurs ou plutôt un des défendeurs. Oui, c'est quand même normal. C'est comme dans un jeu. Un adversaire veut voir clair sur les règles établies. Parce que les raisons, j'ai dit tout à l'heure, il ne faut pas qu'on continue à se moquer indéfiniment de nos intelligences. Les raisons se trouvent ailleurs. Permettez-moi de soulever un truc. Peut-on les savoir, ces raisons? Ailleurs, c'est l'impréparation. C'est ça que je dis, c'est l'impréparation. Et peut-être aussi le manque de moyens, ça je pourrais le comprendre. Vous savez, il y a un problème. Il y a un problème qui devait faire réfléchir les Congolais pour que les Congolais comprennent aussi les enjeux
de notre propre démocratie, de quelle manière nous devons avancer en nous basant sur nos propres cultures, sans suivre ceux-là qui veulent s'ériger en mentaires de la nation. Prenez tout autour de nous, M. Claude, notre premier voisin le plus immédiat, Congo-Brazzaville. Le consensus est presque acquis aujourd'hui au Congo-Brazzaville, qui va permettre une troisième élection du président Sassou. Presque acquis. Au Rwanda aujourd'hui, on nous présente les choses comme le peuple rwandais veut voir le président Paul Kagame poursuivre son pouvoir. En Angola, le peuple ne parle même ni d'alternative ni d'alternance. Le peuple est pour la continuité, pour que ce qui se passe et ce qui se réalise avec le président Eduardo Santos puisse continuer. Ça, c'est en Angola. Je parle de nos voisins. Nous allons ici à côté, au Burundi. Oui. Au Burundi aujourd'hui, c'est dit presque acquis aujourd'hui qu'il va y avoir un mécanisme qui va permettre une réélection de l'actuel président burundais. Je parle de nos États voisins. Cela devait nous faire réfléchir en tant que Congolais. Devait nous faire réfléchir dans quel sens? C'est dans le sens de se poser des questions. Nous sommes aujourd'hui devant une situation où tout indique, et nous devons avoir le courage de le dire, que nous avons un texte constitutionnel qui peut-être crée un certain nombre de choses comme l'opposition ne veut pas les reconnaître, mais nous sommes dans cette situation. Nous devons réfléchir courageusement. Il y a une autre voie, un autre moyen de réfléchir. Ne faudrait-il pas effacer tous les déficits pour dire que nous venons de mettre en place une première fois dans l'histoire de notre pays une constitution démocratique et que cette constitution-là démocratique présente quelques limites par ces textes ici des belligérances et que nous pourrions commencer à réfléchir comme nous le voyons dans les autres États sans faire du mimétisme mais mettre en place un modèle congolais qui va faire avancer les choses. C'est une réflexion que nous devons faire. Courageusement, je dis bien. Ne faudrait-il pas, parce que d'autres États, je peux vous donner l'exemple de la France. La France aujourd'hui, en tant que république, c'est-à-dire avec les dans sa forme républicaine, environ 225 ans. En 225 ans, la France a changé pas moins de 15 constitutions. Calculer, c'est une moyenne, je pense, d'une constitution tous les 13 ans, tous les 14 ans. Voilà la réalité française. En France, toujours, nous avons la constitution et la 5e République. Constitution et la 5e République qui est mise en place avec le président de Gaulle. Aujourd'hui, il faut savoir que la limitation des mandats présidentiels dans leur constitution a intervenu 50 ans après, en 2008. La constitution mise en place en 1958. Les États-Unis d'Amérique, qui ont un texte constitutionnel qui a aussi environ 225 ans, ils ont attendu 163 ans. 163 ans pour consacrer dans leur constitution la limitation des mandats présidentiels. Il y a des présidents de la liste des États-Unis d'Amérique qui avaient postulé au-delà des deux mandats, notamment celui qui est décédé en courant du mandat, Franklin Roosevelt, qui a postulé 4 fois, et il y a d'autres présidents avant lui qui ont postulé plus de 2 fois, soit plutôt d'autres ont échoué, la plupart, et il y a les autres qui n'ont pas été investis par leur parti politique. Tout cela pour dire quoi? Que chaque nation a une histoire électorale. Chaque peuple a une histoire électorale. Arrêtons avec le mimétisme. Nous sommes devant un problème aujourd'hui. Et moi, je l'ai dit en tant que Congolais, oui, qui a aussi le droit de réfléchir, que l'opposition, aujourd'hui, rentre un peu dans leur conclave. Ils ont 2 choix. Le premier choix, c'est de s'inscrire dans les schémas, c'est le choix que nous souhaitons. Le deuxième choix, parce qu'ils trouvent qu'il y a des inégalités, qu'ils arrêtent de mentir. S'ils disent qu'il n'y a pas inégalité, mais ils y trouvent, comprenez la nuance, c'est eux qui les trouvent. Et peut-être avec raison. Pourquoi? Parce que nous sommes devant une situation aujourd'hui où les élections doivent se coller, alors que les élections devraient s'être organisées de façon cyclique. Oui. Cela n'a pas été fait. Elles sont collées pour la simple et bonne raison, c'est qu'il y a des trop-pleins de certaines institutions de la République et il y a d'autres institutions qui n'ont pas eu droit d'organisation d'élections tout court. Par rapport à cela, mettons-nous sur la table. Réfléchissons en tant que Congolais sans passion. Parce qu'il se pose également une question d'opportunité.
Mais l'opportunité, c'est oui. ce que je vous explique par rapport aux États qui nous entourent. Parce que, on vous dira dans que la vie, n'est pas... vous oui. savez, les oui. présidents Sassou, les présidents Kagame, les présidents Eduardo Santos, hein, sont les présidents que le président Joseph Kabila a trouvé au pouvoir. Si ces États-là, ces dont États-là... on fustige par moment... Mais j'ai dit qu'il oui. les a trouvés au pouvoir. Oui. Cela n'empêche pas à ces différents leaders politiques de ces différents pays, pour des raisons qui leur appartiennent, je ne vais pas entrer dans ce débat, oui. de concevoir ces modèles que j'essaie de vous dire. Aujourd'hui, en République démocratique du Congo, nous sommes devant un problème. Ne pas les dire et ne pas les reconnaître, ça serait la pire hypocrisie. Dans l'histoire du monde, oui. je ne connais aucun État. Vérifiez-les, monsieur Claude. Dans l'histoire du monde, je ne connais aucun État qui a organisé autant d'élections dans une période courte de 18 mois, dans un contexte aussi particulier. Si nous le faisons de cette manière, c'est parce que tous nous reconnaissons que nous avons des sérieux problèmes en termes de justice électorale, nous avons des sérieux problèmes en termes aussi des trop-pleins que nous observons au niveau des autres institutions. La solution doit être trouvée. Mais elle ne peut être trouvée qu'en tant que Congolais. Elle ne peut être trouvée que sans clivage politique. Nous devons réfléchir. Il ne faudrait pas qu'on vienne oui, nous vendre des recettes. On vous reproche également, vous de la majorité, de ne pas prendre souvent en compte les propositions de l'opposition. Non, attendez, ce n'est pas qu'on ne prend pas en compte les propositions de l'opposition. Oui. Quand on prend en compte les propositions de l'opposition, c'est la même opposition qui elle-même... Oui. Non. C'est la même opposition elle-même qui revient à charge contre ses propres propositions. Il y a absence de cohérence. Vous savez, dans leur conclave du mois de juillet 2013, oui. ils ont bien parlé des élections locales en disant nous devons renverser la pyramide des élections dans notre pays pour commencer par les élections au niveau de la base. C'est l'opposition. La CENI aujourd'hui fait sienne ces différentes recommandations. L'opposition revient à charge pour encore les contester. Donc vous n'allez pas dire qu'on n'a pas pris en compte les revendications de l'opposition. Non. Mais j'ai dit, moi, au-delà de la classe politique, je sais qu'il y a des étudiants qui suivent cette émission, les peuples congolais dans son ensemble. J'aimerais que dans nos universités, j'aimerais que dans nos quartiers, dans nos communes, et moi qui vous parle, si le plan ne serait-ce qu'intellectuel, je n'engage pas les peuples dans ce que je déclare, mais si le plan ne serait-ce qu'intellectuel, je ferai le tour de certaines universités pour débattre et échanger et discuter autour de ces sujets. La nation congolaise, au moins dans le fonctionnement de ces institutions, est allée d'aller vers les gouffres et nous devons faire quelque chose. Alors pourquoi vouloir coupler le découpage avec les élections? Parce que dans l'opinion, on y voit déjà un stratagème pour créer du désordre afin d'arriver moi, je pense à ce fameux glissement. Nous avons deux combats majeurs que nous devons mener. Le premier combat, c'est la mauvaise foi. Nous le constatons. Mm-hmm. Et je pense que par rapport à ce que vous venez de poser comme question, en elle-même justifie cette mauvaise foi. Oui, parce qu'on dit la révision constitutionnelle n'a pas réussi. Alors, je suis en train de vous dire oui. que moi, en tant que Congolais, j'aimerais lancer les pistes de réflexion oui. pour que ces gens de discours-là n'aient plus ça cesser, j'appellerais de la caricature. Mm-hmm. Et ce n'est pas bon pour l'avancement d'une nation. J'ai dit ceci, et je pense que mes propos sont assez clairs, que nous ne devons pas penser que ce qui a échoué ailleurs restera en République démocratique du Congo. Les schémas qu'on nous propose par l'opposition, c'est de nous écarter de la piste électorale, parce que là, il y a difficulté au niveau de l'application. Ils nous proposent, par des actions menées, le schéma burkinabé, qui a échoué, et aujourd'hui, le peuple burkinabé les regrette. Ils nous proposent le schéma libyen, qui a échoué parce que le peuple libyen les regrette. Ils nous présentent le schéma tunisien, qui a échoué comme aussi égyptien. Aujourd'hui, les différents peuples de ces pays-là les regrettent. Le schéma qui réussit, c'est le schéma des élections et de la réforme institutionnelle, les cas échéants, lorsque vous avez un problème. Maintenant, réfléchissons un moment.
Faudrait-il prendre les schémas qui a échoué ailleurs pour que cela crée plus de dégâts chez nous, ou faudrait-il s'asseoir courageusement pour parler des réformes envisagées et faire réussir et faire avancer la démocratie? Libre à l'opinion de tout un chacun de répondre à cette question. Moi, j'essaye d'éveiller des consciences. Oui. Voilà. Merci beaucoup, Papi Tamba. Je rappelle que vous êtes membre du PPRD. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci, M. Claude. Merci également vous d'avoir suivi ce numéro d'Invité à la Une. Restez fidèles au programme de Télé 50.